Nous vous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. La joie du Seigneur est là. Nous allons la manifester par des acclamations. C'est lui qui nous a accordé la grâce. Il soit béni à jamais. Il soit glorifié. Si tu es là ce matin, et si nous aussi nous nous tenons devant de vous, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est de lui que nous avons le souffle de vie. Et lui que nous avons l'être. Et tout le mouvement que nous faisons, et c'est le Seigneur qui nous l'a fait grâce. Et amen. Parce que il y a aussi des gens qui ont même besoin de bouger le petit doigt. Mais ils n'en trouvent pas l'occasion. Mais toi, tu t'es déplacé de la maison jusqu'ici. Ce n'est pas une petite chose. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut lui être reconnaissant. C'est pourquoi il faut l'acclamer lorsqu'il faut l'acclamer. Là où les gens te réclament dans les réunions de ténèbres pour te faire du mal, le Seigneur dit non. Et quand le but, t'es pas lui. Il était comme ce jour-là, il avait dit à Pierre. Et le roi Mokolana, il dit ça qui pétait. Oui, Simon. Ami Simon, Satan t'a réclamé pour te tribler comme du froment. Satan, c'est ma gueule pour finir le roi Massam. Mais lui, il ne le savait pas. Parce qu'il y a pas quitté. Oui, Satan t'a réclamé pour te tribler. Ami Satan, ma gueule, c'est ma gueule pour finir. Mais moi, parce que là, je vais intercéder pour toi. Là, il a sa belle qui pour lui. Je t'en veux pas. Il n'y a pas quitté. Enfin, Pierre pouvait dormir librement dans sa maison. Elle se soupait d'avoir une colère. Et là-bas dans le monde des ténèbres, on était en train de le réclamer en parole de Dieu. Mais je lui ai dit non. Et c'est ce qui s'est fait dans ta vie. Et puis il y a moins de dans le monde des ténèbres, on t'a réclamé. Mais le Seigneur n'a pas voulu te céder. C'est pourquoi ce matin tu t'es retrouvé en ces lieux. C'est pourquoi il faut beaucoup aimer le Seigneur. Parce qu'il fait toutes choses en ta faveur. Il ne fait jamais une chose pour te défavoriser. Même quand le malheur arrive, il faut toujours te dire que le Seigneur est de mon côté. Israël était dans la marche. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché dans tous les campements. Et ils sont arrivés dans les campements pleins de Moab. Et là, le roi de Moab a vu que Israël a parcouru tout ce chemin. Et puis il a vaincu tous ceux qui se posaient sur son chemin. Il a envoyé des gens pour aller appeler Balaam. Balaam est venu. Balaam pour venir. Balaam pour aller. Et monter le peuple de Dieu. Jamais Dieu, frère. Mais non, moi. Jamais Dieu.
sang, il a précédé son peuple. Et hier, à dire qu'il me soit je vais te dire une chose. Mais il y a une Dieu n'a peur de personne. Peut-être c'est toi qui as peur des gens. Mais notre Dieu, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des magiciens. Il n'a pas peur des gourous de loge. Le Seigneur n'a pas peur de tous ces gens-là. Ce jour-là, lorsqu'on est venu solliciter Balaam, il est venu maudire Israël. Dieu lui-même a précédé le peuple. Il est allé, comme nous disons, il est dans la maison du féticheur. Parce qu'il s'agissait de son peuple. Il n'ira pas avec ces gens-là. Tu n'iras pas avec eux. Et tu ne maudiras pas ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est béni. Ce peuple-là est béni. Malgré qu'on lui avait promis des richesses. Mais Balaam avait promis ce jour-là. Les gens contre qui on l'avait appelé. C'était des gens bénis. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui, frère. Quand bien même Balaam était descendu, il a dit ces gens-là, il a dit que Dieu changea la malédiction en bénédiction. Toute mauvaise parole contre vous sera changée en bénédiction. La mort dans votre vie sera changée en une longue vie. Non, il fera toutes choses pour que vous soyez en honneur. Parce que vous êtes son peuple. Cela ne vient pas de vous. Mais cela vient de la grâce qu'il vous a faite. C'est pourquoi il faut toujours frapper la poitrine. Que tu es le peuple de Dieu. Et que cela vienne le soir. Pourquoi? Que cela vienne le matin. Le Seigneur sera toujours là. Il faut toujours aussi croire dans ta vie. Et dans tous les combats de ta vie. Que tu es vainqueur. Vous savez, frère, comme le Seigneur avait déjà promis la terre à Josué, il lui avait dit, nul ne tiendra contre toi. Et ce sont des hommes. Ils ne tiendront pas contre toi. Tant que tu vivras. Amen. Nul ne tiendra contre toi. Tant que tu vivras. Ils sont entrés dans la bataille. Bien-aimé, la bataille est devenue rude. Mais ils ont vu une chose. Parce que le jour allait déjà baisser. Parce que le soir arrivait déjà. Et pourquoi quand
vainqueur. Pourvu que ta marche, que tu sois vainqueur. Même si le combat perdu, tu es vainqueur. Même si l'ennemi est coriace, tu es vainqueur. Même si le chemin est serré, je crois que on était là déjà depuis la semaine, le vendredi. Le vendredi, que la Bible appelle le sixième jour. On avait déjà commencé nos interventions. Pour ceux qui étaient là, on s'était déjà présenté. Et pour la bateau à Zama qui on a mis sur le la Disaki. Mais pour toi qui n'étais pas là, c'est pour la Yose à la guider. Je dis seulement que je suis ton frère. La Lolita va être dans un de Konayo. Le docteur Jonas. Mon ami ici, Jonas. Le plus important, c'est être frère. On est allé à Motuya, à Zan de Konabino. Le doctorat, c'est un travail. On l'a dit ça, les amours ça là. Je suis ton frère. J'avais dit que je viens de la ville de Kinshasa. Dans une des terres que le Seigneur nous a données. Dans une des terres que le Seigneur nous a données. Pour que nous puissions aussi y travailler. Et puis, il a prié, Seigneur, que nous puissions aussi être ici au milieu de vous. Et depuis le vendredi, on avait déjà commencé à parler. J'ai prié seulement le Seigneur que je vous sois utile. Pendant tout le temps que je vais passer avec vous en ces lieux. Que vous puissiez être consolé de vos problèmes. Vous puissiez être enrichi de la connaissance du Fils de Dieu. Enrichi. Et que vous soyez aussi unis dans l'amour du Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça même le but de l'œuvre que nous faisons. Et je crois que le Seigneur qui est fidèle, il le fera. Parce que nous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des instruments que Dieu lui-même utilise. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons faire la lecture de notre texte. Nous prenons Psaume chapitre 89. Nous allons lire le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 89. Nous lisons le verset 20, à partir du verset 20, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La lecture sera un peu longue. Je vous prierai de me supporter. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis,
J'ai prêté mon secours à un héros. Ben apesi lisungi na ngai et pa na molongi moko. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et ben atomboli kati na bato, mobali moko. Elenge mo, elenge mobali moko. J'ai trouvé David. Ben amoni David. Mon serviteur. Mon sali na ngai. Je l'ai oint de mon huile sainte. Na pakoli na mafuta mon sali na ngai. Ma main le soutiendra. Loboko na ngai ko sungai. Mon bras le fortifiera. Ben loboko na ngai e ko sungai Jesus. Olembi sa e ko pierre makasi. E ko le e ko pesa e makasi. L'ennemi ne le surprendra pas. Mon muna ko bimela e na prosate. Et le méchant ne l'opprimera point. E pe batona kanza ba kolonga ete. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Et et sa droite sur le fleuve. Et paix le bon conaïe à Mobali na ebalé. Bibalé. Na bibalé. Lui, il m'invoquera. Hier, comme elle est la gaille. Tu es mon père. Hier, la lit tata la gaille. Mon Dieu. Zambé la gaille. Et le rocher de mon salut. Et paix l'ibana et le lit pour la gaille. Et moi. Kasinaï. Je ferai de lui le premier né. Nana kosala e koza la moto ya libosu. Le plus élevé de roi de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Et je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme le jour des cieux. Et ne marche pas selon ses ordonnances. S'il viole mes préceptes. Il n'observe pas mes commandements. Je punirai de la verge leur transgression. Et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les ciels est fidèle. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture. Et qu'il nous donne aussi l'explication. Parce que c'est ce qui est la plus grande des choses. Lorsque vous avez les songes, vous devriez aussi avoir l'explication. Mais je vous exhorte seulement. Gardez l'enseignement. À aimer écouter l'enseignement. Même avant de quitter la maison. Ouais, il ne faut pas quitter comme tout le monde. Il faut dire à Dieu de te donner la sagesse. L'intelligence de comprendre ces choses. Parce que le salut, c'est dans ces choses, bien aimées. Si tu comprends ces choses, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu n'as pas non plus la vie en toi. Les grands combats du diable, il
fait que les gens ne puissent pas comprendre ces choses. Et bien, il y a donc ça les que bato va sur la macabre. S'il te retient dans l'obscurité, ceux qui ont canalé quand ils n'ont mis ni. Et qu'à chaque fois tu n'arrives pas à comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Et n'attends mon nom sur nos sur la terre mon bâti ni à zolo. Tu ne comprends pas l'enseignement. Aux autres sur la lilanisité. Alors lui de son côté il est content. Et il y a un mambo là il a zolo là. Parce que tu ne sauras pas non plus marcher selon la voie que Dieu a tracée. Zamio côté mon latin en zéro zambertier. Vous savez. Oui. Lorsque vous êtes esclave quelque part, et lorsque tu es serviteur, on te laissera faire toutes sortes d'activités sans pour autant que tu ne sois inquiété. Donc sans pour autant que tu ne sois inquiété. Si tu fais le commerce, ils ne vont pas t'inquiéter. Si tu es prostituée, ils ne vont pas s'inquiéter. Si tu es malfaiteur, ils ne s'inquiéteront pas. Mais une fois que vous commencez à fabriquer des armes, ils vont venir à toi pour venir te contrecarrer. Parce que tes armes seront hostiles à leur domination. Directement, leurs services secrets vont s'approcher de toi. Mais tu as l'intention de quitter la servitude. C'est ce qui s'était passé en Israël. Les Philistins, ils avaient dit. Il ne se trouvait point de forgeron en Israël. Non, ils avaient dit qu'il ne se trouvait point de forgeron en Israël, empêchant-les d'être des forgerons. Parce que s'ils sont des forgerons, ils vont, lorsque la bataille va arriver, ils vont nous combattre. C'est pourquoi il arrivait toujours. Lorsqu'ils sont en guerre avec les enfants d'Israël, il se trouvait que le peuple n'a pas d'armes pour les combattre. C'est ce que le diable veut toujours dans ta vie. Parce que les armes spirituelles, frère, qui sont plus puissantes que les armes physiques, c'est la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole. C'est la prière. La prophétie. Sache que le diable ne va pas te laisser tranquille. Il ne va jamais te laisser venir ici en paix. Parfois tu trouves du temps à venir même pendant la semaine. Mais directement d'autres préoccupations surgissent. Et bien après ça, c'est et qui t'empêche de venir ici. Tu sens la fatigue. Yo, mani, tu te dis aujourd'hui je vais prier. Mais même plus de 3 heures du temps. Mais directement, tu sens la fatigue. Là, tu veux fabriquer les armes. Pour combattre le monde des ténèbres. Et Satan ne te laissera pas faire. Tu ne le feras pas avec facilité. Mais si c'est pour regarder les matchs, je dis si c'est pour regarder les matchs, là il va te laisser. Ça contribue à la chair. Tu ne seras pas fort spirituellement. Après avoir regardé les matchs, après avoir crié, ton esprit devient faible. Et quand tu entres dans la chambre, laisse-la jusqu'au matin. C'est Satan qui est content. Et là, spirituellement, tu ne fais que t'affaiblir. Si tu es devant la télévision, là, tu ne t'affaiblis pas. Mais si c'est seulement la prière, là, tu t'affaiblis. C'est Satan qui ne veut pas que tu fabriques des armes. C'est pour lire la Bible, frère. Connaître d'abord l'histoire d'Abraham. Oui, papa, l'histoire d'Abraham.
Mais tu ne connais pas l'histoire d'Abraham comme il faut. Tu dis aujourd'hui, vraiment, je vais lire la Bible. Aujourd'hui, je vais écouter l'enseignement. Mais directement, tu sens la fatigue. C'est comme si on vient te voler l'esprit. Tu n'as pas fait ce que tu as arrêté. Et malheureusement, au moment que au salut de Dieu, Seigneur, c'est les œuvres du diable. Mais c'est Dieu sur les réseaux sociaux. Et ça, on a la fête, si vous tu vois ça. Toi-même, tu comptes vraiment que 4 heures du temps se sont passées comme ça. Tu dois combattre. Et Seigneur, vous dites ça. Tu dois dire, Seigneur, ceux-là qui prient beaucoup là, ils sont seulement mes frères. Mais comme moi, ils arrivent à prier beaucoup. Mais moi, je ne prie pas. Comme si je ne regarde pas les matchs. Comme si je ne regarde pas les matchs. Ceux qui n'ont pas les salons, c'est moi. Ceux qui n'ont pas les matchs. C'est comme si je veux mourir. Non, aujourd'hui, j'essaie d'abord de ne pas regarder les matchs. Mais je veux voir si je veux mourir. Je te dis que tu ne mourras pas, frère. Mais tu vas amasser la force pour marcher encore. Tu vas amasser la force pour marcher encore. Il y a des choses que tu dois connaître dans ta vie. Les questions que tu te poses souvent. Et puis, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore des réponses. Tu dois avoir des réponses à ces questions-là. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu n'es pas quelqu'un de distraction. Tu es dans la prière. Tu es dans la lecture parole. Tu es de chercher la face de Dieu. Tu verras aussi ton chemin s'ouvrir. Tu vas te parler de beaucoup de choses. J'avais dit la foi dernière. La foi dernière, que la nuit est avancée. Ce que nous voyons, ce n'est pas ça la réalité spirituelle. Mais le Seigneur vous donne les yeux spirituels. Il vous donne les yeux spirituels de voir là où nous sommes. Les témoignages. Et tu laisses les témoignages vivants. Et tu laisses les traces sur les sables du temps. Les témoignages vivants. Et il y a eu une femme qui a vécu sur cette terre. Qui a servi le Seigneur avec sérieux. Le Seigneur avec sérieux. Il y a des gens qui espéreront ce sort-là. Qui espéreront cette fin-là. Et mais le Seigneur ne leur fera pas grâce. Mais toi, le Seigneur te fait grâce. Balaam avait dit, lorsqu'il a maudit Israël, il a menti. J'ai dit la menti. Il a menti. À laquelle il m'avait. Il a menti Israël. À laquelle il m'avait. Il a dit que Dieu ne faisait que chanter.
peur de la mort des justes. Il a dit, il a dit que je meurs. La mort des justes. La mort des justes pluriel. Donc ces gens-là qui m'ont dit, ils étaient des justes. Mais il avait vu la grâce que le Seigneur les a faites. Il a dit que je meurs la mort de ces gens-là. Ma foi sont semblables à la leur. Et que le Seigneur n'avait pas permis cela. Parce qu'il dit tuer au fil de l'épée. Parce qu'il n'avait pas reçu cette grâce. Nous avons reçu la grâce. Mais le problème c'est mort. Forçons-nous, frère. Parce que la grâce est avec toi. Force-toi à écouter l'enseignement. Tout ce que tu vois passera. Mais la parole restera. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Et ce jour-là, le Seigneur te dira, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Fidèle servant, entre dans la joie de ton maître. Ne fais pas d'effort. Ne fais pas d'effort. Viens seulement écouter. Viens seulement prier. Et tu verras le Seigneur se manifester dans ta vie. Parce qu'il est écrit. Nous tous écrit. Le visage est découvert. Regardons comme dans un miroir. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes transformés à la même image. Et gloire en gloire. Le Seigneur, l'Esprit lui-même. On dit, quand nous venons dans les choses de Dieu, le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Tout ce que nous faisons, c'est seulement regarder le miroir. Parce que nous entrons dans un nouveau thème. Nous allons parler sur les faveurs saintes de David. Dieu, il avait fait à David des faveurs saintes. Les faveurs, en d'autres termes, les grâces. Il avait fait à David. On parle de grâce. C'est quelque chose qu'on n'a pas fourni pour laquelle on n'a pas fourni d'effort. Mais le Seigneur, dans sa propre souveraineté, dans sa propre souveraineté à lui, sans avis de quelqu'un, il dit que je te fais grâce de ceci. Abina, il faut savoir que le Seigneur le fait. Même toi aussi dans ta vie, il faut toujours prier dans ce sens-là. Le Seigneur est souverain. Non, il ne demande la vie de personne. Quand il veut faire quelque chose, il peut te faire grâce.
combattre comme on veut. Mais cette grâce-là ne te sera pas ôtée. Parce que quand Dieu te l'avait faite, parce que quand Dieu te l'avait faite, il ne l'avait demandé à personne. Mais ce n'est pas les gens qui viendront te l'enlever. Non. Et c'est ce qu'on a appelé grâce. Et ici, le Seigneur l'a fait ou les a faites à David. Il dit ceci dans Psaume 89 que nous venons de lire. Il dit, il a parlé dans une vision à son serviteur. Il dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Et j'ai versé sur lui l'huile sainte. Amen. Le Seigneur lui-même a dit, j'ai trouvé David. Cela veut dire qu'il était en train de chercher un homme. Il était en train de chercher. Parce que quand on dit trouver, cela veut dire en amont, avant, on était en train de chercher. Maintenant, ça il a trouvé. Maintenant, qui est-ce qu'il a trouvé? Qui est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé David. Alors, il a loin de son huile sainte. En loignant de son huile sainte, le Seigneur lui-même a décrit les capacités qui sont dans cette huile-là. Il a décrit les bontés qui sont dans cette huile. Quand il a dit j'ai trouvé, cela veut dire qu'il était en train de chercher. Or, nous savons tout ce que la Bible dit. La Bible le dit pour un homme. Parce qu'il est écrit quelque part dans Zacharie chapitre 3 au verset 8, Dieu dit, les hommes me serviront des signes. Donc quand Dieu veut enseigner les gens, il sait comment les enseigner. C'est un bon pédagogue. Il est plus que nos professeurs d'université. Il est plus que nos professeurs de secondaire et de primaire. Il veut enseigner. Il prend les signes. Je vais te donner un exemple. Il prend par exemple Gédéon. Par exemple, Gédéon. Israël était sous la servitude de Madian. Voilà Israël n'a servi où il y a Madian. Il dit va. Avec Kéné. Le peuple qui est dans la servitude. Gédéon est parti avec la force que le Seigneur lui avait donnée. Il est allé, il a délivré Israël. Il a dit à Jephté, va aussi délivrer Israël. Jephté a délivré Israël. Il a dit à Moïse, va délivrer Israël. Moïse a accompli la mission. Et toutes ces personnes-là, ils n'étaient que des signes pour Dieu. Ils n'étaient pas la réalité des choses. Amen. C'est pourquoi lorsque le Seigneur lui-même est venu, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans le mot réel, il y a la réalité. Cela veut dire tout ce qui avait délivré avant. Il n'avait pas vraiment délivré. Parce que la vraie délivrance, c'est si le Fils
se vous affranchit. Et vous leur dites, le véritable général, c'est moi. Le véritable chef d'œuvre, c'est moi Jésus-Christ. Moïse est véritable. C'est moi. Et Moïse avait des parties. On lui a enlevé le soulier. On lui a dit, toi tu n'es que le piment. Dans le cadre de notre explication, tout est signe. C'est pourquoi enlève tes souliers. Parce que avant le soulier au pied, c'est le signe du rédempteur. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit de Jésus. Si je ne suis pas digne de délier le courant de ses sandales, parce que c'est lui le vrai rédempteur. Mais son fils, Simon, il t'a envoyé en Égypte pieds nus. On lui a enlevé le soulier au pied. Alors, moi, délivré, c'est moi qui délivre. Cela veut dire, l'homme qui était dans les buissons, c'est dans les buissons ardents. Il était sorti et il a porté le soulier de Moïse. Et payé qui de sa part de pour montrer que c'est lui le vrai rédempteur. C'est pourquoi il a donné le premier commandement. Je suis l'éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir de l'Égypte. De la maison de servitude. Tu peux lui poser la question. Et Moïse, c'était quoi son travail? Il n'était qu'un signe. Moi je voulais enseigner que c'est moi qui fais toutes les choses. Et que c'est moi qui viendra accomplir la véritable libération du peuple. Mon Dieu, lui, il travaille comme ça. Pour saisir Dieu. Il faut seulement lire la vie de ces gens-là dans les Écritures. S'il veut parler de l'église, il va prendre une femme étrangère appelée Ruth. Qui va entrer en Israël au temps de la moisson. Et après, il sera épousé par un homme de la tribu de Juda. Parce que les hommes lui serviront des signes. Les prophètes. Le roi, même les femmes dans les Écritures, les enfants, ils étaient des signes que Dieu utilisait pour nous enseigner. Et de la même manière, David, que nous venons de lire, il est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Véritable. Il est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre dit, David a prophétisé, il ne laissera pas mon corps pourrir dans le séjour de mort. Amen. Et je ne verrai pas la corruption. Mais il leur dit, il dit David qui avait dit cela. Il était prophète. Parce que Satan est ici avec nous. David, oh, tu fus notre roi à l'époque. Son corps est là et son corps a vu la corruption. Et quand David parlait ainsi, il prophétisait au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui n'a pas vu la corruption. C'est lui qui n'a pas pourri dans la tombe. Le troisième jour, il est sorti de la tombe. L'ange est venu rouler la pierre. Et il est sorti victorieux. Et David est là. Et David, c'est Jésus-Christ. Et de la même manière, David dont nous parlons, David le fils d'Isaïe. C'est David de Jésus-Christ. C'est David de Jésus. Que le Seigneur ouvre l'esprit de comprendre ces choses. Ne fais pas d'effort. Le Seigneur lui-même va te le faire comprendre. Mais le Seigneur dit, j'ai trouvé David. C'est David, il était en train de chercher. Et David lui dit, le Seigneur était en train de chercher. Non. Le
il a trouvé. Parce qu'à un moment, David, il était un mystère. C'est pourquoi on les cherchait. À l'autre temps, on avait mis d'abord pour roi Saül. Parce que le peuple avait réclamé un roi à leur tête. Et le Seigneur leur a mis Saül à leur tête. Et Saül a dit Saül, le roi Bokonzi. Amen. Et pendant ce temps-là, Natamwana, le Seigneur était en train de chercher un homme. Cet homme-là était là. Mais on ne le trouvait pas encore. Mais à un certain moment, il s'est révélé. L'héros s'est révélé. Et le Seigneur l'a ouvert. Là, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment nous atteler là-dessus. Sur la loi et la grâce. Parce que le premier roi, c'est Saül. Il est l'image de la loi. C'est le roi qui n'est pas là, qui n'est pas là selon le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas le roi qui est là selon le cœur de Dieu. C'est le roi que le peuple avait réclamé. Et le Seigneur leur a donné la loi. Mais Dieu, il avait avec lui un homme selon son cœur. Si cet homme-là, le Seigneur avait tout le projet pour la délivrance du peuple. Le roi pour l'éternité. Et c'est David. Il est venu. On l'a ouvert de son huile sainte. Amen. Pourquoi? Pour être le roi du peuple. Je vais vous dire. Même pendant l'ancienne alliance, le Seigneur Jésus était là. Il n'est pas le Dieu qui a commencé avec sa venue. Non, il était déjà là. Quand il est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui a dit. Donc Jean-Baptiste disait au peuple, dis-moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé. Vous voyez? Il vient après Jean. Il est né après Jean. Mais il l'a précédé. C'est le Dieu de l'éternité. Il était d'abord un mystère pour le peuple. Mais pour que le peuple puisse avoir la victoire, être toujours victorieux dans le combat, il doit être manifesté. C'est pourquoi il est venu. On l'a baptisé. Baptisé la vue. Et il a témoigné. Payé à ta. Lui le Christ du Seigneur. C'est lui le véritable David. C'est lui que le Seigneur cherchait pour placer à la tête du peuple. Amen. Et c'est sur cet homme-là. Le Seigneur avait toutes ces grâces que nous venons de lire. Je ne sais pas si tu avais suivi attentivement la lecture. La lecture qu'on avait faite au début. Le Seigneur l'avait faite sur cet homme-là. Reprenons d'abord. Ma main le soutiendra, le verset 22. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Et Batomoki, j'ai devant lui ses adversaires.
et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Amen. Le verset 31. Et si ses fruits s'abandonnent ma loi et ne marche pas selon ses ordonnances, s'il viole mes préceptes, elle n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et pardonnerai leurs iniquités. Mais je ne leur retirerai point ma beauté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Vous voyez toutes ces promesses ici. Ont été faites sur cet homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ses enfants. C'est nous l'église de Dieu. Cela dit, même s'il viole mon alliance, même s'il n'observe pas mes préceptes, je veux le frapper, je veux le punir, je ne retirerai pas ma bonté sur eux. La famille de Dieu est heureuse. Et je prie aussi que le Seigneur te fortifie. Et bien, nous allons savoir que pour la paix, amen. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour la prière. On va nous entonner un cantique. Nous allons d'abord commencer par bénir le Seigneur pour la prédication de ce matin. Bénis le Seigneur. Lui qui t'a donné l'entendement spirituel. Il y a afin que tu comprennes l'enseignement. Lui qui t'a montré qu'il ne te laissera jamais. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Et ça y est ma dot. Thank you.
Tu seras aplani. J'ai appelé David, je l'ai trouvé. Ma main le fortifiera. Et sa force se levera par mon nom. Sans me l'entamer, je suis plus que vainqueur. Et l'homme est allé sa main à l'ibéta. Et l'homme est allé sa main à l'israël. Et l'homme est allé sa main à l'israël.